Merci à vous, merci à l'Université populaire niortaise de nous accueillir et d'accueillir l'espace Saint-Hilaire. Donc nous allons parler du journalisme et de la transmission, puisque c'est votre thème. Je me présente très très rapidement. Moi je suis d'abord de chef Bouton. Ensuite journaliste, mais d'abord de chef Bouton, et revenir ici me fait toujours. Il faut que je parle plus fort. D'accord. Revenir sur mes terres entre parenthèses, entre guillemets, ça me fait toujours plaisir. Parler du métier qui a été le mien pendant toute ma vie me fait aussi très plaisir. Donc en gros, je suis un produit typique de ce qu'il faut plus faire maintenant. C'est-à-dire que moi, j'essaie de former, parce que bon, j'y arriverai après, mais en gros, j'ai fait une école de journaliste, l'école de journalisme de Lille, qui est la meilleure, n'est-ce pas? Mais je l'ai fait d'abord au sortir du lycée, alors que maintenant, c'est à Bac plus 3 qu'on y entre, et j'ai fait Sciences Po après, parce que je voulais faire du journalisme politique. Et en gros, j'ai fait 15 ans au service politique de la Croix, puis un petit court passage à l'Express, 2 ans, 10 ans à la Nouvelle République, comme éditorialiste et puis chargé des informations générales. Et au bout de 10 ans, on m'a rappelé un peu d'abord à la vie, et puis j'ai terminé à la Croix, comme grand reporter. C'est vraiment le plus beau des métiers parce que ça ouvre des horizons et tout ça. J'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup voyager. Et rédacteur en chef de La Croix. Voilà, au sortir, je suis à la retraite depuis 2009, 2010, quelque chose comme ça. Et j'ai été élu président de Reporters sans frontières. Donc je me suis aussi beaucoup investi dans sur ce thème de la liberté de l'information pendant 4-5 ans, puis j'ai arrêté parce que c'est parisien, je suis tourangeau, et puis c'était un peu compliqué parce que j'ai une autre activité qui prend l'essentiel de mon temps. J'ai lancé une formation pour les jeunes des banlieues et les jeunes de la diversité, une formation journalisme, parce que je m'étais rendu compte que dans la profession, il y avait très peu de jeunes de la diversité, des blagues, des beurs, etc. Très, très peu dans la profession. Je faisais passer les concours aux écoles, j'en voyais pas. Dans leur tête, ces jeunes pensaient que ce métier n'était pas fait pour eux. Moi, je pense le contraire. Je pense que c'est un métier formidable et qui est justement ouvert à plein de gens. Et j'étais même inquiet de voir que la profession devenait maintenant était prise, occupée par des jeunes qui avaient fait Sciences Po et qui, on voyait tous les journalistes se ressemblaient et ça m'inquiétait beaucoup. Donc voilà, je fais une formation, j'ai 27 élèves que je prends en terminale dans les lycées tous les ans et je les forme au concours des IUT de journalisme. Et ça me passionne, ça me prend énormément de temps parce que je suis tout seul pour faire ça. J'ai lancé ça avec Harry Roselmack, le black de TF1. Quand je lui ai dit que j'avais envie de faire quelque chose, il me dit "Mais tu as raison parce que je suis la caution black de TF1. Si j'étais pas black, je serais pas entré à TF1. Ils cherchaient un black. Une fois qu'ils l'ont eu, fini. Donc on va faire quelque chose ensemble." Il m'a donné son nom, quoi, en gros, parce qu'il a autre chose à faire, et moi, je fais cette formation. Voilà. Voilà mon parcours. Oui, je pourrais le dire tout de suite aussi. Comme j'ai été surtout journaliste politique quand j'étais à la Croix, j'ai eu aussi la responsabilité de présider l'association de la presse présidentielle pendant un certain nombre d'années. Parce que les journalistes avaient peut-être confiance dans un journaliste de la Croix qui n'est pas trop engagé, donc j'y étais du temps de Mitterrand et du temps de Chirac. Voilà. Alors on va parler du métier et j'ai essayé de réfléchir sur le thème de la transmission, puisque c'est le thème que l'Espace Saint-Hilaire a retenu pour cette année.
Transmettre, c'est faire passer d'une personne à une autre. Et c'est exactement la définition du métier de journaliste. On ne fait rien d'autre. Nous sommes des intermédiaires entre ceux qui créent l'actualité et ceux qui la reçoivent. Le journaliste lui-même, finalement, crée très peu. De temps en temps, par une interview, on crée l'actualité. Par un reportage, on crée un peu l'actualité en attirant l'attention sur les personnes dont on va parler dans le reportage. Mais de manière générale, on a un métier très modeste et on est là pour faire passer un message qui est celui des gens qui créent l'actualité. Ça peut être des sportifs, des acteurs, des hommes politiques et les gens qui vont la recevoir à l'ANR, au Courrier de l'Ouest, à La Croix ou au Monde. Mais on n'est rien d'autre. On est des intermédiaires, on est des passeurs. Il transmet à des lecteurs qui l'ont choisi, qui lui font confiance, qui le payent pour être informés. Et le premier devoir du journaliste est donc de donner, de transmettre une information. On verra dans une deuxième partie que cette transmission n'est jamais neutre, qu'elle répond à des choix rédactionnels, etc. Mais on s'interrogera aussi, peut-être, si j'ai un peu de temps, parce que je suis souvent bavard, s'il est nécessaire de tout transmettre. Mais commençons par le premier devoir du journaliste qui est de donner l'information. C'est l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand même décembre 48, qui précise que tout individu a droit à la liberté d'opinion. Ce qui implique, toujours le texte, et moi je mets sous-entendu pour se faire son opinion, puisqu'on a le droit à une liberté d'opinion, ce qui implique, dit le texte, le droit de recevoir les informations et les idées par quelque moyen que ce soit. C'est-à-dire que tout citoyen a le droit de recevoir une information. Il a le droit de savoir ce qui se passe dans sa ville, dans son village, mais aussi au bout du monde. Et si le citoyen a le droit de savoir, moi qui ai choisi le métier de journaliste, j'ai le devoir de l'informer. C'est un devoir, parce que j'ai choisi ce métier. Je ne peux pas me permettre de retenir une information qui ne me plairait pas. Si je suis journaliste à Niort et que, allez, situation tout à fait plausible, mon copain d'enfance qu'on a croisé tout à l'heure, Étier, qui est devenu président du conseil général, a commis une infraction grave. Pas le cas, bien sûr, c'est un type au-dessus de tout soupçon, c'est un copain de toute façon, donc c'est pas possible. Mais ce n'est pas parce que s'il avait fait une connerie, ce n'est pas parce que c'est mon copain que ça me gêne, je n'ai pas le droit de retenir l'information. Je ne peux pas, y compris en essayant de contourner cette information. Si elle ne me plaît pas, j'ai le devoir de la donner. Il faut absolument, dans une démocratie, que les citoyens puissent se dire s'il se passe quelque chose d'important, s'il se passe quelque chose de significatif, qui a un intérêt public, qui a un intérêt général. S'il se passe quelque chose, je le saurai. C'est la base d'une vie démocratique, je le saurai, on ne me le cachera pas. Et c'est en cela d'ailleurs qu'Internet et les médias sociaux constituent une grande avancée, parce que l'information, y compris dans les dictatures, y compris dans les régimes qui bloquent l'information, ça va être de plus en plus difficile de bloquer cette information parce qu'elle circule très vite. Bon, j'y reviendrai pour parler un peu plus longuement d'Internet tout à l'heure, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les dictateurs de bloquer des informations grâce à Internet et aux blogs et tout ça. Mais je le dis au passage, à Reporters sans frontières, on va maintenant, l'essentiel de notre activité, ça va être la défense des blogueurs et des ce qu'on appelait nous, ce qu'on appelle toujours les net citoyens, c'est-à-dire des gens qui s'expriment à travers les réseaux sociaux,
qui sont recherchés activement dans les dictatures. Et je vois au Vietnam, en Chine et tout ça, c'est une guerre permanente, mais aussi parce que les dictateurs ont bien vu que l'information par ces réseaux sociaux est efficace et circule très vite. Bon, j'y reviendrai parce qu'Internet, c'est aussi la libre circulation de la rumeur, avec bien évidemment l'obligation qu'il y ait des filtres, donc des journalistes pour vérifier ce qui circule sur Internet et pour que ce qui n'est au départ qu'un bruit, ce qui circule sur Internet, devienne une information. Elle ne devient information, à mon sens, que si elle a été vérifiée, que si elle a été, si elle est passée par le filtre des journalistes. Bon, mais j'y reviendrai, puis on pourra en parler dans notre échange. Je reviens sur ce que je disais sur l'importance que vous puissiez vous dire que s'il se passe quelque chose, je le saurai. Car dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas. Et pour avoir, je vous le disais, beaucoup voyagé, je me suis rendu compte que l'un des meilleurs critères pour apprécier le bon fonctionnement d'une démocratie, c'était la confiance que les citoyens avaient dans leurs médias. S'ils avaient confiance, s'ils se disaient, bon, je le saurais, grosso modo, par un biais ou par un autre, mais je le saurais, on se dit qu'il y avait quand même un petit ferment de démocratie. Là, dans les dictatures les plus fermées, ceux qui arrivaient à bloquer l'information ou à noyer parfois leurs citoyens par une information, j'ai encore en souvenir un pays africain où le journal télévisé durait 3 quarts d'heure et c'était une suite de 10 minutes de séquences où on voyait des ministres en train de parler autour d'une table, ensuite le ministre de l'équipement, après le ministre de la santé, etc. C'est-à-dire que c'était une surinformation, était une manière d'étouffer l'information elle-même. Bon, mais donc quand les gens n'ont pas confiance, on peut être inquiet. J'ai en souvenir un exemple. C'était en URSS du temps de l'Union soviétique. J'étais avec un confrère journaliste russe. On se promenait dans Moscou. On a assisté à un accident de la route, ouais, dans la ville, et grave, puisque apparemment il y avait un mort. Et je lui ai dit, tiens, ben, ça va être dans le journal, ça, parce que c'est quand même. Ah, il me dit non. Je lui dis comment ça? Pourquoi non? Il me dit parce que si je raconte qu'il y a eu un accident, les gens ne me croiront pas. Les gens vont penser de toute façon que ce sont deux fonctionnaires qui se sont rentrés dedans exprès pour changer de voiture. Et j'ai pris conscience que si d'un simple fait divers comme ça, le journaliste retenait sa plume en se disant c'est pas la peine que je l'écrive parce que de toute façon je ne serais pas cru. Je dis, mais où va-t-on, quoi? Bon, donc on a, nous, au moins, quand les citoyens ne croient pas ce qui est dans leur journal, ou qu'ils doutent d'être informés sur ce qui se passe d'important, on peut se dire que la démocratie est en danger. Le droit de savoir des citoyens est à la source, est à la base de notre métier. C'est ce qui nous donne finalement une certaine légitimité à nous, journalistes. Nous sommes reconnus comme légitimes pour aller chercher une information afin de vous la transmettre. Ce n'est pas pour notre plaisir qu'on va chercher une information. Si on va fouiller un peu dans les dossiers du conseil général, de la mairie et tout ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous la transmettre. Et on reconnaît il est reconnu que le journaliste a le droit, y compris sur les lieux de guerre où les journalistes bénéficient d'une certaine protection. On a le droit d'aller chercher l'information au nom des citoyens parce qu'elle est utile aux citoyens. Donc, d'autre part, ce droit que vous avez de savoir ce qui se passe ne nous assure pas seulement une légitimité, comme je viens de le dire, elle est pour nous une contrainte, une exigence professionnel, car de ce devoir de vous transmettre une information découle pour nous une obligation
qui est d'aller chercher l'information. On doit aller chercher l'information, par délégation du lecteur d'ailleurs. Et parce qu'il me paye pour ça, le lecteur. Il a confiance en moi. Moi, je dois aller chercher l'information. Je dois me donner les moyens d'aller au plus près de la vérité pour vous la transmettre. Pour accéder à cette vérité ou à cette parcelle de vérité, je dois, s'il le faut, surmonter les obstacles qu'on m'opposera. Parce que toute personne qui a un brin de pouvoir, quel qu'il soit, que ce soit dans une association, que ce soit à l'espace Saint-Hilaire où le président a modifié les statuts pour rester président à vie, etc. Si j'apprends ça, je dois le dire parce que ça n'est pas très démocratique. Bon, et tous ceux qui ont un brin de pouvoir, que ce soit dans une mairie, que ce soit dans un État ou dans un département, n'a pas toujours envie que les choses se sachent. Moi, journaliste, j'ai le devoir d'aller chercher l'information. Une fois encore, pas par plaisir, mais pour que vous soyez informés. C'est ni plus ni moins un devoir. Si je renonce, par complicité, parce que Éric Gauthier, c'est mon pote et tout ça, qu'on a joué au foot ensemble et qu'on lit ses mails et tout, et si je dis, oh là là, il est dans un sale pétrin, mais allez, je vais rester chez moi, je ne vais pas enquêter comme ça, je ne saurai rien. Si par complicité, ou si par facilité, parce que c'est beaucoup plus facile de rester derrière son fauteuil et d'attendre. Si par complicité ou par facilité, je ne bouge pas, je ne fais pas mon travail de journaliste. Si par exemple, bon, comme je vous disais, les gens, surtout dans les villages, les villes et tout ça, les gens n'ont pas envie de partager le pouvoir, surtout ceux qui en ont. Si dans un lycée, j'apprends qu'il y a, il y a un petit trafic de cannabis, il a commencé par mettre la main sur le coude sur tous les éléments d'information là-dessus, et il ne partagera pas. Moi, je dois le donner pour que vous soyez informés. Tout ça pour dire que le journaliste ne peut pas rester derrière un bureau à attendre que l'information lui arrive. Il doit aller sur le terrain, il doit aller fouiller dans les documents, il doit aller fouiller dans les rapports, dans les bilans, dans les budgets pour trouver l'information. Et trouver l'information, c'est pas facile. Parce qu'il y a des gens qui sont bien formés pour la cacher. Bon, alors ça demande d'être curieux, ça demande d'être débrouillard, un peu fouineur, ça demande d'être tenace. Ça demande surtout, et ça, dans les formations que je peux faire, parce que je donnais aussi des cours dans les écoles de journalisme, ça demande surtout des compétences. Ça demande surtout des compétences. Le journaliste ne peut pas ne pas être compétent, ne peut pas travailler ses dossiers. Moi, à mes élèves, je leur dis... C'est certainement le plus beau métier du monde, mais c'est un métier où vous travaillerez jusqu'au dernier jour où vous serez journaliste. C'est un métier où il faut toujours travailler, où il faut toujours se remettre à jour, où il faut toujours lire, il faut toujours... Et c'est... Parce que si on n'est pas compétent, si je ne comprends rien à un budget municipal, et que je vais à la réunion du conseil municipal, et puis que le chargé de finances qui connaît tout ça, tous les chiffres par cœur, me les présente d'une certaine manière... Je vais me faire instrumentaliser, je vais me faire manipuler, quoi. Donc le journaliste doit être compétent pour juger de l'importance d'une information et pour ne pas être mené en bateau manipulé. Pour savoir ce qui est une information et ce qui n'en est pas une, pour ne pas se contenter de la parole officielle. Alors, enquêter, se donner ce devoir d'investigation... Ça a un coût d'abord économique, parce qu'un reportage, c'est cher, c'est de l'argent. C'est vrai que de plus en plus, c'est de plus en plus cher, de plus en plus risqué. Je vois, quand on va sur les zones de conflit, les assurances demandent des prix faramineux, quoi. Et puis, c'est cher. J'avais encore un journaliste de France Télévisions là, qui venait devant mes élèves, me disait que, bon, ils partent à 3, 4, souvent 4, une équipe de télé en Afghanistan. Et ils ont des gens qui les guident, qui les aident, des Afghans qui parlent, qui servent de traducteurs et tout ça. Et il disait aux élèves, c'était 500 euros la journée pour avoir ce qu'on appelle un fixeur. Et il disait parfois c'était encore plus cher, quoi. Donc ça coûte très cher de faire du reportage. Et
la réaction souvent fréquente des journaux, c'est de rogner là-dessus, sur les frais de reportage. Et c'est pour ça qu'il y en a moins. Qu'il y a moins de reportages dans le monde. Et que ça n'est pas satisfaisant. Alors, c'est vrai qu'à La Croix, on a une chance. Bon, moi, j'ai eu cette chance parce que dans La Croix, par tradition, peut-être pour prolonger un peu l'héritage avec de la dimension missionnaire de l'Église, etc., etc., La Croix a toujours eu un budget reportage important. Et ils l'ont toujours, et pour ceux qui en sont lecteurs, ils s'en rendent compte. Il y a beaucoup de reportages, et moi, j'en ai beaucoup bénéficié, puisque je suis allé partout où je voulais aller, et il y a un reportage dans La Croix. Mais aller chercher l'information, ça a un prix aussi en termes humains, y compris bon, physique, quoi. En période de conflit, c'est prendre le risque d'y laisser la vie ou d'être pris en otage, quoi. Je ne vais pas raconter, parce que j'ai horreur des journalistes qui reviennent de combat en racontant leur vie, etc. Mais il m'est arrivé au moins une ou deux fois, un souvenir à Mogadiscio, où je devais passer à No Man's Land, où ça canardait des deux côtés. Je ne savais pas si je devais passer, mais comme j'avais eu du mal à arriver jusqu'à Mogadiscio, c'était en pleine guerre en Somalie, j'avais été à Nairobi, j'avais réussi à grimper dans un avion de la Croix-Rouge pour aller jusqu'à Mogadiscio, mais je suis arrivé du mauvais côté, il fallait que j'aille d'un autre côté. Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais pipi dans ma culotte, et puis je reviens au journal en disant, j'ai pas pu y aller, c'était trop risqué, j'ai une femme, trois enfants, puis je suis passé. Bon, ça a canardé, je suis toujours là, vous voyez, je suis là. Mais on prend des risques, et on a, bon, 71 journalistes ont été tués l'an dernier dans l'exercice de leur métier. Bon. C'est pas dans un accident de la route, y compris, mais parce qu'ils étaient journalistes, quoi. On en est à 14 avec notre consoeur de l'autre jour, là, Camille Lepage. Et c'est pour ça qu'à Reporters sans frontières, on distribue à tous ces journalistes freelance qui partent maintenant. Parce que c'est ça, je vous disais, les journaux, les télés et tout ça rognent sur les reportages. Et c'est de plus en plus des freelances qui partent, des journalistes indépendants. Et ils viennent à Reporters sans frontières, on leur donne un gilet pare-balles, un casque. Mais c'est aussi des risques, quoi. C'est des risques pour eux, parce c'est souvent des jeunes. Moins compétents, j'ai encore en tête, je sais pas, tant pis si je m'éloigne, je vous raconte ça un peu, mais en Syrie, j'étais à Reporters sans frontières, au début du conflit syrien, les rédactions n'envoyaient pas de journalistes, c'était trop risqué, donc c'était tous des freelances qui partaient, et on a toujours une correspondante en Syrie, qui est une Syrienne, et qui nous dit, mais attendez, arrêtez de valider la présence de jeunes journalistes qui n'y connaissent rien. Il y en a un qui vient d'être arrêté, et sur son ordinateur, la police a retrouvé les 30 noms de ses informateurs syriens, ils sont tous en prison. Bon. Alors c'est là qu'après, moi j'ai insisté pour qu'on fasse une formation à la protection des données. Maintenant, Reporters sans frontières, bon, c'est un peu parce que j'ai insisté aussi, parce que ça m'avait marqué de savoir qu'il y a, à cause d'un journaliste un peu incompétent, jeune, qui était parti avec bonne volonté, prenant des risques pour lui, mais il a fait mettre 30 personnes en prison, quoi. Donc, on fait, à Reporters sans frontières, on fait une formation pour apprendre aux journalistes à protéger leurs données. Or, c'est aujourd'hui possible. Bon. Oui, c'est risqué d'être journaliste, parce qu'il y a des guerres, il y a des situations, mais le nombre de morts au Mexique, au Brésil, qui sont pourtant deux démocraties, est bien plus important pas que sur les zones de guerre, qu'en Syrie ou en Irak, dans le temps, ou encore en Afghanistan. Mais là, il suffit qu'un journaliste mexicain mette le nez sur les trafics d'argent un peu louche pour qu'on le retrouve allongé sur le trottoir, et on ne sait jamais qui l'a tué, quoi.
Donc les journalistes prennent beaucoup de risques dans ces pays. Mais malgré cela, malgré ce risque, ce qui m'a toujours frappé, c'est que la grande majorité des journalistes ont envie d'aller sur le terrain. Ça fait partie de nos gènes, ça fait partie de notre envie de témoigner, y compris les risques, même si on risque la vie. Et bon, il y a peut-être même une forme d'adrénaline, quoi. Il y a eu aussi devant le risque, je l'ai ressenti, moi, ça m'est arrivé de me dire, il y a un petit côté excitant, un petit côté, je reviens, je vois. C'est aussi la responsabilité des rédacteurs en chef de juger de la capacité d'un journaliste. J'ai souvenir de... J'étais rédacteur en chef de La Croix. La libération de l'Afghanistan. On avait deux journalistes qu'on a... Tout le monde voulait être en même temps que les Américains qui étaient en train de bouter les talibans. Tous les journalistes voulaient y être. Alors nous, on avait fait passer un par le Pakistan et un autre par Douchanbé, au nord, là... Et celui qui était au nord n'arrivait pas à passer. C'était plus compliqué. Celui par le Pakistan était arrivé à Kaboul et l'autre n'arrivait pas. Et je l'avais au téléphone presque tous les jours. Il couchait dans des conditions, ils étaient deux ou trois journalistes, ils vivaient dans des conditions détestables. Et il me dit, je sais que François, qui est passé par le Pakistan, est à Kaboul, je veux y arriver, je veux y arriver. Il se met à chialer, il se met à pleurer, il perd son contrôle. Et je lui ai dit, je t'interdis d'entrer. Moi, rédacteur en chef, je prends la responsabilité que tu n'entres pas et je te demande de ne pas entrer. Parce que c'est comme ça que les gens, parce qu'ils ont envie d'être sur le terrain, parce qu'ils culpabilisaient de ne pas avoir réussi d'être entré jusqu'à d'être arrivé à Kaboul. C'est là qu'on prend des risques aussi inconsidérés et puis qu'on y laisse la peau. Et d'ailleurs, il y avait, on sait que c'est sur cette route-là, venant du Nord, qu'il y a eu quatre journalistes, dont une fille d'RTL, de RFI, qui était montée sur un char et puis qui ont laissé la vie. Mais voilà. Mais c'est aussi parce qu'on... On choisit ce métier pour ça, pour aller sur le terrain, pour témoigner, pour rendre compte. Et c'est le désaccord profond que j'ai eu avec Nicolas Sarkozy. J'étais président de Reporters sans frontières. On avait deux journalistes français otages. Il me reçoit à l'Élysée et il commence... Vous savez que Sarkozy tutoie tout le monde. Donc il me tutoyait, je tutoyais... Parce que connu petit, bon, il n'a pas beaucoup grandi, mais je suis salaud. Non, mais il tutoie tout le monde. Et il me dit, t'es journaliste, comme si j'étais, c'était les miens, mais bon, je venais pour défendre la cause des deux journalistes français otages en Afghanistan. Et il me dit, tes journalistes sont inconscients, incompétents, irresponsables. Je me souviens. Et ce con, parce que parfois il est con quand même, j'y étais avec la compagne d'un des journalistes. Et puis il dit ça devant ma compagne. Je ne sais plus. Je l'ai regardé, puis elle m'a regardé, mais elle est restée. Moi, je serais parti. Mais bon. Mais en dehors de ce fait-là, je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Ils sont compétents, ils sont conscients et ils sont responsables. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, il avait sa version. Moi, j'avais la mienne. Alors, c'était celle que m'avait donnée France Télévisions, etc. Et je suis allé à deux reprises à Kaboul pour me faire confirmer cette version qui s'est avérée ensuite. Les deux journalistes étaient avec l'armée française en reportage dans la base. Ils y étaient depuis plus de 15 jours. C'est vrai qu'Hervé Guéquière a un tempérament un petit peu particulier, et que ça ne s'est pas bien passé avec l'armée. Il s'est engueulé avec le général, c'était assez tendu. Et ils sont restés 15 jours, la embedded, comme on dit, embarquée, c'est-à-dire dans l'armée où on ne bouge pas, on a le gilet pare-balles, et puis on n'a pas le droit de sortir, de faire 100 mètres dehors. Et l'armée, le général et tout ça, leur explique que le travail de l'armée française, c'est de sécuriser l'axe qui venait du Pakistan pour aller jusqu'à Bagram, où il y avait d'une part l'armée française et d'autre part l'armée américaine, un axe essentiel
pour le transport, notamment de gasoil, etc., et puis de kérosène, et tout, et tout, et tout. C'est un axe essentiel, et l'armée française devait sécuriser cette route. Et le général lui dit, la route est sécurisée. Il rentre, il quitte le général, son général, premier réflexe, et c'est ce que j'explique à Sarko, c'est qu'ils ont fait leur boulot, ils sont allés voir si c'était sécurisé. Le journaliste ne peut pas se contenter de la parole du général, ne peut pas se contenter de la parole de l'ambassadeur pour dire la route est sécurisée et de revenir en disant la route est sécurisée. Il faut qu'il aille voir. C'est son devoir pour vous, pour les Français, pour qu'on soit informés. Et bon, ben là, au premier, deuxième, au troisième, pour une demi-minute, c'est 30 secondes, ils se sont fait avoir. Quand je dis 30 secondes, c'est que le taliban ils ont vu arriver un taliban en courant qui avait été informé par le checkpoint précédent en disant il faut les arrêter, c'est des journalistes français, etc., etc. Bon, voilà. Mais c'est pour vous dire le différend que j'ai eu avec Sarkozy et qui n'a pas changé. Et puis bon, et nous non plus, on n'a pas changé. C'est que les journalistes devaient être sur où là où ils étaient, ils ont pris le risque, ils ont été pris en otage. Ça a coûté de l'argent, c'est vrai, ça a coûté du temps, ça a coûté de l'énergie à tout le monde, mais ils n'ont fait que leur boulot. C'est pour nos lecteurs que nous devons aller sur place pour qu'ils sachent, pour leur transmettre ce qui nous semble être la vérité, et pour approcher cette vérité, il faut aller au plus près. Il faut voir, il faut interroger les acteurs, il faut raconter, il faut expliquer. Alors, je vous disais que le premier devoir du journaliste était de donner l'information. On ne peut pas la retenir. Le deuxième, c'est d'aller la chercher, cette information. La troisième obligation, troisième devoir, c'est de transmettre, et on reste dans l'idée de transmission, de transmettre l'information le plus honnêtement possible, sans la déformer. C'est-à-dire en respectant l'esprit du message qu'on a voulu lui faire passer. Parce que il est trop facile d'extraire une phrase dans une déclaration, d'extraire un mot et pour la sortir de son contexte. Nous devons être fidèles au texte d'origine, quitte ensuite à l'analyser, à le commenter en toute liberté. Mais ce qui m'embête un petit peu dans ma profession, parce que je suis assez critique hein, avec l'évolution du journalisme, et j'y reviendrai au fur et à mesure de notre échange, ce qui m'ennuie, c'est qu'on a de plus en plus tendance, y compris surtout dans le journalisme politique, à aller chercher le petit mot, l'expression qui font polémique et à en faire l'essentiel du message. Et ça, je trouve que ce n'est pas une forme d'honnêteté. Et cela me gêne de plus en plus quand une personnalité, un chef d'entreprise, un syndicaliste fait une déclaration dans un but bien précis pour présenter une loi, un programme. S'il a le malheur d'envoyer une pichenette à l'un ou l'autre, les journalistes vont se focaliser et vont retenir la pichenette et ça deviendra l'essentiel de l'information. Et c'est ça qui me gêne. Et quand je dis que nous devons être fidèles au message, c'est en cela. Le dernier, pas le dernier devoir, mais celui, je voulais l'évoquer plus tard, mais je le mets ici. On a un autre devoir, quand on est journaliste, c'est de s'interroger sur les conséquences de ce qu'on est en train de transmettre ou de ce qu'on va transmettre. On ne peut pas publier une information sans se dire, tiens, cette information, quelles conséquences ça va avoir d'abord pour celui qui me l'a donnée. Parce que c'est facile, parfois on donne des informations, puis on met dans la merde celui qui vous l'a donnée. Je pense notamment dans des pays, dans les dictatures, où ensuite la police fera tout pour savoir quel a été l'informateur et c'est lui qui se retrouvera en prison. Donc, conséquence pour celui qui a donné l'information. Conséquence pour celui qui va la recevoir. C'est évident quand on est sur le terrain et puis qu'on passe des images violentes, la protection des enfants qui peuvent recevoir l'information comme un choc, etc. Protection pour.
au moins s'interroger sur les conséquences de celui qui va recevoir l'information. Et conséquences pour celui aussi dont on va parler. Et j'ai un cas, moi, qui me poursuit, parce que c'est un bon confrère, c'est un confrère de Ouest-France, dans une ville moyenne, Mel à peu près, quelque chose comme ça, il y avait eu des malversations dans sa commune. Il était à Ouest-France, Ouest-France, journal qui pèse quand même le pour et le contre, qui est un journal sérieux, quoi, qui n'est pas parmi les références de la presse française. Il y avait des malversations dans la commune. Le maire avait été entendu, etc. Bon, c'était assez sérieux. Et le journaliste apprend qu'un adjoint, M. Dupont, va être entendu, et il l'apprend par le juge d'instruction, etc. Bon, dans le cadre, et il en fait un gros titre, dans le cadre de l'affaire de détournement de fonds, monsieur un tel va être entendu, bon, par le juge d'instruction, etc. Il vérifie l'information, elle est exacte, il en fait un gros titre. Le lendemain matin, le monsieur découvre l'information, il se suicide. 10 ans après, j'ai vu le journaliste, il était encore marqué par ça. Bon, bien sûr, il n'avait fait aucune faute professionnelle. C'était vrai, le monsieur allait être entendu. Mais dans un village, gros comme Mel, si on dit, on met Monsieur Dupont, un tel, va être entendu dans une affaire, voilà, pas de fumée sans feu, etc. Et le monsieur ne l'a pas supporté. Peut-être était-il réellement impliqué, j'en sais rien, on n'en sait pas, on ne le saura jamais, peut-être qu'on l'a su par l'affaire, mais par la suite, je ne sais rien. Mais voilà, donc le journaliste a été marqué en se disant, mais j'avais fait mon boulot, j'avais vérifié, c'était vrai, etc. Et c'est là qu'une information, ça ne vaut pas la vie d'un homme, bien évidemment, y compris un truc comme ça. Et c'est là que le journaliste doit aussi, de temps en temps, s'interroger sur les conséquences de son information et de se dire, bon, et lui me disait, j'aurais dû prendre 24 heures de plus, heure de plus, attendre que ce soit passé, etc. Il s'en voulait, il s'en veut toujours. Bon, c'est pour dire que, voilà, le devoir du journaliste, avant de transmettre une information, c'est d'en peser toutes les conséquences. Je reviendrai tout à l'heure aussi sur la façon de transmettre l'information et sur les dérives de la profession, mais restons pour l'instant sur le contenu de cette information. Vous vous doutez bien que l'information qu'on vous transmet relève d'un choix. Le journaliste a choisi telle information plutôt que telle autre en fonction de ses choix personnels, mais plus généralement en fonction de la politique rédactionnelle de son journal, de sa radio, de sa télévision. J'en profite d'ailleurs d'emblée pour dire que le journaliste ne peut pas être objectif. On nous dit toujours, soyez objectifs, vous les journalistes. Attendez, un journaliste, c'est un sujet, il est obligatoirement subjectif, et tant mieux. Ne serait objectif qu'une caméra que je mettrais ici, avec un grand angle pour vous prendre de tous, et que je ne bougerai pas pendant 2 heures. Ça, ce serait effectivement objectif. Mais à partir du moment où on demande à un individu, à une personne, d'écrire, d'intervenir, de choisir parmi les tas, il sera obligatoirement subjectif. Le même journaliste, si on envoie 3 journalistes faire y compris même un, j'allais dire, presque un accident de la route, ou quelque chose de banal, chacun le verra à sa manière, parce que il y en a un qui sera mal luné, puis qui n'aura pas envie de regarder, puis qui le fera vite, un autre il sera disputé avec sa femme, alors il sera nerveux, puis il aura envie de il écrira un peu plus vite, un troisième au contraire sera sensible à autre chose. Donc chaque journaliste sur un fait divers, sur un match dont on rencontre des chamois, on le fait pas de la même manière, parce que on a regardé plutôt un tel que plutôt bon. Donc ne demandons pas à un journaliste d'être objectif, il faut qu'il soit subjectif. Je me souviens d'ailleurs qu'à La Croix, quand je faisais les éditoriaux, et quand je recevais des lettres,
des lettres d'engueulade, vous n'êtes pas objectif, etc. Bon, c'était bien évidemment quelqu'un qui n'était pas d'accord avec mon analyse. Et puis, quand j'en recevais le lendemain ou même jour avec des gens, ouais, c'était bien ce que vous avez dit, vous avez été très objectif en disant c'est parce que la personne était d'accord avec l'analyse. Alors j'en avais conclu que l'objectivité, c'était la rencontre harmonieuse de deux subjectivités, finalement. Voilà. Mais l'information qu'on vous transmet passe par le filtre donc de cette subjectivité du journaliste, de ses qualités, de ses défauts, de sa compétence ou de son incompétence que j'évoquais tout à l'heure, mais elle passe aussi par le filtre de la politique rédactionnelle de chaque journal, de la radio, de la télévision, de chaque... Chaque média a un ton, chaque média a un style qui lui sont propres et qui font aussi sa particularité, sa richesse, et ce qui nous permet aussi de choisir parmi, différents journaux. Chaque journal a sa manière de faire le tri dans la masse d'informations et sa manière d'aborder l'actualité, de s'intéresser plutôt à tel ou tel type d'événement. Chaque journal a sa manière d'écrire, y compris au niveau du vocabulaire, quoi, hein. Je me souviens qu'à La Croix, quand il y avait une tuerie, quand il y avait des assassinats, etc., on s'interdisait de dire qu'une personne a été abattue. Je me souviens qu'on était très sensibles, puis nous, rédacteurs en chef, quand on lisait la copie, on ne disait jamais qu'une personne était abattue. Parce que, ne serait-ce que par respect pour cette personne qui est décédée, pour l'entourage, pour les gens de son entourage, sa famille, on disait que la personne avait été tuée, avait été assassinée, mais pas abattue, pas comme un arbre. Parce qu'une personne, on ne l'abat pas. Voilà. Donc, chaque journal a sa manière d'écrire, quoi, a son vocabulaire, quoi. Y compris son vocabulaire. Regardez, c'est Noël Copin qui était mon chef spirituel au niveau de l'écriture et qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui m'a appris ça. Il m'a dit, et je l'ai appliqué après, qu'il n'utilisait jamais un adjectif sur une personne qu'il n'était pas capable de dire en face de cette personne. Parce que c'est vrai, quand on est sur notre ordinateur, et on a un tel, on déteste, quel connard, non, connard, pas dans La Croix, non, non, ça c'était pas possible. Mais il y a des adjectifs qui vous sortent, qui vous viennent, il y a des hommes politiques, parce que j'étais en politique, que je n'aimais pas beaucoup, certains pas du tout. Si je n'étais pas capable de lui dire en face, je n'utilisais pas l'adjectif. Et ça, je le fais passer dans les écoles de journalistes, ça surprend, mais finalement c'est un bon exercice. Vous voyez, même... Quand on transmet quelque chose, la manière de le transmettre et le vocabulaire qu'on utilise est important. Alors la politique rédactionnelle de chaque journal s'inscrit aussi dans une histoire dont le journal est l'héritier. La Nouvelle République, c'était est née en 45, fondée par des résistants plutôt de gauche, avec une majorité de maçonniques qui étaient là. C'était plus des gens de gauche que de droite. C'est un sceau qui a marqué le journal, une marque fondatrice, qui bien sûr évolue avec le temps, mais qui reste quand même. Et pour y avoir travaillé 10 ans, bon, moi j'étais chrétien, et puis je veux dire, le côté maçonnique que j'ai évoqué a beaucoup disparu, et ça n'était surtout pas, j'ai jamais eu un seul reproche du directeur, seule remarque du directeur Jacques Saint-Cricq, lorsque j'écrivais les éditos presque tous les jours à la Nouvelle République, une liberté totale. Mais bon, une histoire d'un journal, c'est un sceau, une marque de fabrique et tout ça qui se poursuit, quoi. Une politique rédactionnelle tient également compte de ses lecteurs. On n'écrit pas de la même manière à Libération qu'à La Croix ou qu'au Figaro, quoi. On tient compte de ses lecteurs, et y compris d'ailleurs dans le choix des adjectifs, des mots, etc., mais y compris aussi dans ce qu'on retient, de l'actualité, y compris même, j'allais presque dire, d'un match de foot. Peut-être que les lecteurs de Libé, plus jeunes que ceux du Figaro, s'intéresseront peut-être plus à des jeunes joueurs qu'à des plus anciens, peut-être même un style de jeu plus novateur que d'autres, quoi. Donc, les lecteurs qu'on a et qu'on connaît très bien, moi je sais très bien
que quand j'écrivais mes éditos à La Nouvelle République, je pensais, c'est tout compte, ça va faire rire Jean-Louis, je pensais au chef Boutonnet que je retrouverais le samedi au marché. Et je me disais, c'est à eux que je m'adresse, quoi. Parce que j'étais à La Nouvelle République, quand j'étais à La Croix, c'est différent, mais je me disais, c'est vrai, et puis les gars qui parlaient patois, ils parlaient un peu patois, etc. Bon, on est bien de ce que t'as mis, Dominique. Oh, on n'est pas bien. Hein, bon. On pense à eux, quoi. Donc, nos lecteurs nous influencent aussi, quoi. Donc, la manière de transmettre une information est liée aussi à son lectorat. Donc, si une politique rédactionnelle tient compte de son lectorat, oh là là, oh, je parle trop. Elle tient compte aussi de ses propriétaires. Bon, je vais passer plus vite là-dessus. Tu aurais dû me dire, Jean-Louis, que je suis trop bavard. Bon, à La Croix, on est un journal chrétien, on appartient aux assomptionnistes, ils nous laissent une liberté totale sur toute la... Mais si un jour on s'avisait de dire du mal de l'Assomption, de la congrégation assomptionniste, pense qu'un jour ils se réveilleraient quand même, ils nous foutent la paix, mais ils se réveilleraient. Bon, on a été critique avec certaines encycliques du pape, on a même critiqué la conférence des évêques à plusieurs reprises, parce qu'on pensait on avait des désaccords avec eux, ça n'a pas été bien pris, mais bon. Quand on lit le Figaro, on sait que le Figaro appartient à M. Dassault. C'est pas dans le Figaro qu'on va trouver des articles critiques sur les avions de Dassault, quoi. Bon, ça, allez, j'allais dire, c'est normal, on le sait, quoi. Bon, c'est même si le Rafale ne se vend pas, c'est pas dans le Figaro que je trouverai les raisons pour lesquelles il ne se vend pas. Ce qui est beaucoup plus embêtant, et c'est là aussi qu'on peut s'interroger sur la propriété des journaux, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est que moi, plusieurs journalistes du Figaro me l'ont confirmé, c'est que quand M. Dassault était en train de négocier la vente, non pas du Rafale, mais même des Mirages avec un pays, il faisait savoir que pendant quelques mois, il fallait être plutôt bienveillant avec ce pays, quoi. Ou en tout cas, s'il y avait des histoires avec ce pays, il valait mieux pas en parler. Bon, ça, pour la liberté, pour un journaliste, bon, si je vais chez Dassault, si je vais au Figaro, je saurais que je ne pourrais pas dire du mal des avions. Mais qu'on me dise, pendant, vous allez vous taire, que parce qu'on est en train de vendre des Mirages à l'Inde, alors s'il y a des petites malversations en Inde, passez vite là-dessus, ça pose un problème de fond et de déontologie et de liberté de la presse. Bon. Une fois encore, si je vous dis ça, c'est plus pour... Bon, pour alimenter votre réflexion, votre interrogation sur la transmission d'une information qui passe à travers donc le filtre d'un journal avec son histoire, ses propriétaires, ses contraintes, ses engagements, aussi ses lecteurs. Je dis tout cela en ajoutant quand même que nous avons beaucoup de chance en France, et que vous pouvez lire vos journaux en toute sérénité, car nous sommes dans un pays où la presse est globalement libre. Est globalement libre. Où la transmission de l'information n'est que marginalement soumise à des contraintes politiques, économiques et à des pressions. Les journalistes politiques, bon, moi j'en ai été pendant longtemps, on peut écrire encore librement dans notre pays. Ce qui m'inquiète plus, en revanche, et c'est toujours un peu le même thème sur la transmission, ce qui m'inquiète plus, ce serait le défaut inverse, c'est que les journalistes sont tellement libres, y compris avec les politiques, qu'ils en sont devenus parfois les copains, qu'on fait partie du même monde. Mitterrand parlait du monde médiatico-politique ou politico-médiatique, il avait raison. Et c'est un peu le même monde. Et ça n'est pas très sain sur la manière de transmettre. Tant pis si je suis long, je me mets dedans. Il y a une chose dont je ne suis pas très fier, je ne suis pas fier du tout, c'est que bon, j'ai été embauché à La Croix en 1974, au moment de l'élection présidentielle, ils se sont renforcés. J'ai été chargé des partis de gauche, donc j'ai pris les partis de gauche après la défaite de Mitterrand, et Mitterrand a pris tout un tas de petits jeunes, moi j'avais 26 ans, ils en avaient 23. Quand vous avez 26 ans et que les autres en ont 23, ben on se tutoie, on est tous copains, quoi. Et vous les voyez presque tous les jours.
Eh bien, il s'appelait François Hollande, il s'appelait Laurent Fabius, il s'appelait ça, et on s'est tutoyé. Et je me suis rendu compte ben, qu'on se tutoie toujours. Et c'est pas normal. Autant Sarko fait ça par tactique avec la communication et avec tous les journalistes. Mais autant je vois Alain Duhamel, qui est pour moi un grand journaliste, s'interdit de tutoyer les journalistes. Et moi, je me suis rendu compte, avec ceux de droite comme de gauche, que je tutoyais la moitié du gouvernement de Chirac ou la moitié du gouvernement de Mitterrand. Et c'est pas normal. J'aurais dû, à un moment donné, me dire non. Si je veux, parce que tutoiement, ça enlève une certaine liberté. Bon, j'ai su être dans mes éditos parce que j'étais à la Croix et puis qu'on me faisait confiance et tout ça. Je crois avoir été aussi critique que si j'avais vouvoyé. Mais la relation n'est pas la même. Et ça, je conseille, moi, aux jeunes journalistes de ne pas tutoyer. Bon. Alors, on pourra revenir hein, dans la discussion sur les relations entre les politiques et les journalistes. Bon, mais je voudrais revenir sur le contenu de ce que les journaux vous transmettent, car ce contenu n'est jamais neutre. Je vous disais qu'il répond à une politique rédactionnelle et qu'au-delà de la conception et au-delà de la conception qu'on se fait de notre métier. Mais on ne transmet pas la même chose si on pense que le journal est d'abord là pour distraire ses lecteurs et lui faire oublier les soucis quotidiens. Ou si, à l'inverse, il est là pour les aider à comprendre le monde, à comprendre son environnement immédiat, à comprendre les évolutions, à comprendre les enjeux. C'est pas la même chose. On ne transmet pas la même chose si on pense que le journal est là pour faire passer un message, pour y compris convaincre ses lecteurs, ou si on pense que le journal est d'abord là pour faire réfléchir ses lecteurs. Et pour avoir travaillé finalement 27 ans à la Croix, vous imaginez bien que c'est dans cette optique, dans le deuxième choix, que j'ai conçu le métier de journaliste. D'abord pour aider son lecteur à s'y retrouver dans la jungle des informations, des débats, des polémiques. Il faut que le journaliste accepte de dire à ses lecteurs que le monde est complexe. Et c'est mentir de dire que les choses sont simples. Or, on nous dit toujours, il faut que les choses soient blancs ou noirs, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus difficile de dire au lecteur, vous savez, c'est pas si simple que ça, c'est complexe. Dans le mariage pour tous, il y a du bon et du mauvais, tout ça, mais non, pour l'auteur, bon, voilà, nous, on a envie de choisir. Et je trouve que c'est très irresponsable de dire que tout est blanc ou de dire que tout est noir. Même si les lecteurs d'ailleurs nous poussent à dire que tout est vous, s'ils veulent, ils nous disent dites-nous ce qu'il faut penser. Mais parfois, il faut justement résister à cette tentation. Et nous, c'est de peser le pour et le contre, d'aider le lecteur à y voir clair, à se faire lui sa propre opinion, en connaissance de cause, à se construire lui sa vérité. Et c'est comme ça que je conçois le métier. Bien sûr que les journalistes ont un rôle de vigile de la démocratie, qu'ils doivent être des empêcheurs de gérer en rond. Je vais jusque-là parce que il n'y en a pas d'autres personnes qui sont à même, qui sont légitimes pour surveiller le conseil général, la mairie, etc. Bien sûr que nous sommes là pour faire vivre le débat démocratique, pour surveiller ceux qui aimeraient endormir, endoctriner ou tromper les citoyens. Nous sommes une sorte de poil à gratter vis-à-vis de tous ceux qui ont reçu un pouvoir. Mais ce rôle de veille, cette responsabilité que nous avons d'alimenter le débat démocratique, c'est-à-dire de faire vivre la démocratie, n'inclut pas, à mon avis, le devoir de critiquer en permanence. Et les journalistes, moi je me rends compte, hein, surtout dans le domaine politique, pensent que plus ils critiqueront, souvent le pouvoir d'ailleurs, mais ça peut être aussi l'entraîneur de l'équipe de foot ou autre, tout ça. Bref, le journaliste pense que plus il est critique, plus il est important, plus il est respecté. Moi, je pense l'inverse. Je pense qu'il se trompe. Notre rôle n'est pas de critiquer de manière systématique, mais c'est d'aiguiser l'esprit critique de nos lecteurs, ce qui est tout à fait différent. C'est pas de dire, allez, moi, voilà ce que je pense, je critique, mais non, c'est de permettre à nos lecteurs de critiquer eux, à leur manière,
et ils feront la critique qu'ils voudront en citoyen responsable, parce que je leur aurai donné les éléments pour pouvoir critiquer. Voilà. C'est bien plus difficile, mais plus satisfaisant intellectuellement que de dire au lecteur ce qu'il doit penser de tel ou tel événement ou de telle ou telle loi. C'est plus satisfaisant de vouloir éveiller la conscience du lecteur, parfois le réveiller, plutôt que de l'endormir ou de le distraire pour qu'il pense à autre chose. Parce que si on essaie d'éveiller notre lecteur, toujours en se servant d'ailleurs de notre matériau de base, nous on n'en a qu'un matériau, c'est l'actualité. C'est ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe à Niort, c'est ce qui se passe au Chamois-Niortais. C'est ça notre matériau sur lequel on travaille, c'est l'actualité. Si on tente de le remuer, ce lecteur, plutôt que de l'endormir, c'est au nom aussi d'un certain nombre de valeurs. Et c'est en cela, pour rester dans le cadre de notre soirée sur la transmission, de notre réflexion, que le journaliste qui choisit et qui transmet son information le fait toujours, toujours, sur la base d'un certain nombre de valeurs. Et on retrouve là la politique rédactionnelle de chaque journal. Au nom de quoi fait-on ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens d'une discussion que j'avais avec Monseigneur Etchegaray, que j'avais rencontré un jour à Rome, et puis je lui ai dit, comme ça, bon, il n'était pas spécialiste des médias particulièrement, mais c'était un mec bien, éveillé, puis ouvert aux autres, etc. Il me dit, j'attends de vous, journaliste, que vous alliez jusqu'où il y a un homme qui souffre. J'ai jamais oublié cette phrase, parce que pour moi, c'est l'essentiel. Aller jusqu'où il y a un homme qui souffre. C'est peut-être sous les au coin de la rue qu'il y a cet homme qui souffre, mais c'est peut-être aussi au Rwanda ou ailleurs, dans un pays inconnu. Et là, votre rôle à vous, journaliste, c'est d'aller jusqu'où il y a un homme qui souffre. Ça correspondait bien à l'idée que nous, d'ailleurs, faisions à la croix de notre métier, à notre manière de privilégier les informations qui mettaient plutôt en avant la solidarité, la fraternité, la défense, la protection de la vie. Avec une autre exigence, d'autre éthique, qui était sous-entendue dans la réflexion d'Etchegaray, à savoir d'être le porte-parole de ceux qui souffrent, d'une part, et le porte-parole de ceux qui n'ont pas accès aux médias, de ceux qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas accès à la parole. Et c'est ça aussi le rôle du journaliste. Et c'est ça que nous devons transmettre. Transmettre la parole de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, quoi. Voilà. De s'intéresser aux plus démunis, à ceux qui se battent pour faire valoir leurs droits, parce que bien souvent, ils n'ont pas les moyens de se faire entendre. Et là, on touche à la noblesse de notre métier, au cœur de notre mission. Et la presse aussi, me semble-t-il, mais là on n'est pas toujours d'accord au sein de la profession. Bon, mais je vais le dire, parce que c'est ma conception. Je trouve que la presse a aussi une autre mission, c'est d'aider les gens à vivre ensemble, de faire en sorte qu'ils soient davantage solidaires les uns des autres et qu'ils partagent un même destin. Alors on me dit c'est un peu angélique, c'est catho, machin, vieillot, tout ça. Bon, si je veux bien, j'en conviens, mais. C'est aussi pour cela que j'ai choisi la presse régionale à un moment donné de ma vie, parce que la presse régionale, et je suis venu 10 ans à l'ANR, a pour vocation de créer du lien social. Ça crée du lien social. On sait ce qui se passe autour de nous. On sait qu'il y a une réunion comme ça par l'ANR. On sait que, il y a des morts dans le village par le courrier de l'Ouest ou par la presse régionale crée du lien. Et moi, c'est un aspect du métier qui me plaît beaucoup. Parce qu'on est là plutôt pour la concorde que la discorde, pour que les gens s'entendent et vivent ensemble dans une même ville ou un village. Je constate quand même que la presse a plutôt tendance à mettre en avant ce qui ne marche pas que ce qui marche, à insister sur les dysfonctionnements et les mauvaises nouvelles et à mettre les gens les uns contre les autres, à attiser les querelles et les conflits. Et là, on est en plein dans notre thème sur la transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on transmet l'envie de se battre les uns contre les autres ou de marcher ensemble? Qu'est-ce qu'on transmet à travers une information?
Est-ce que l'on recherche à désespérer nos lecteurs sous une avalanche de mauvaises nouvelles, ou au contraire à leur donner l'envie de vivre dans ce monde et d'être solidaires les uns les autres? Moi, je dis toujours aux jeunes journalistes, vous devez aimer le monde dans lequel vous vivez. D'abord, je dis qu'il y a quatre qualités pour être journaliste. Il faut être curieux, il faut aimer les gens, il faut avoir une bonne culture générale, il faut écrire en français. Bon. Mais il faut aimer les gens. Et je dis, j'ai pas trouvé d'autres termes que celui-là. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas le monde dans lequel vous vivez, si vous êtes grognon, si vous êtes ronchon, si vous pensez que le monde était mieux avant, ou sera mieux plus tard, vous n'en parlerez pas bien de ce monde. Et c'est pas la peine d'être journaliste. Nous, on est journaliste, on doit aimer les gens qui sont de chez Bouton, de Jevarzet, de machin, et tout ça. On doit aimer même de Jevarzet. Ce qui est un comble. Ce qui est un comble. On doit aimer les gens qui sont autour de nous, mais aimer le monde dans lequel on vit, le système, les gens qui font la politique. On n'aime pas cette politique, mais on respecte au moins les gens qui la font, et puis on aura notre possibilité de s'exprimer avec le bulletin dans l'urne. Bon, voilà, c'est ça notre métier. Et on voit bien que la diffusion d'une information est pas neutre. Bon, alors bien sûr, s'il faut dire que les Chamois ont fait match nul contre Bastia, d'abord c'était pas brillant, vendredi dernier, on peut être neutre. Bon, match nul, point final, ça va pas. Mais à la limite, la manière de le dire, de les accuser de feignants ou de pourris et tout ça, les adjectifs qu'on va choisir pour le dire, c'est pas neutre. Donc, on se rend compte que l'information brute que l'on transmet est finalement un support pour faire passer d'autres messages bien et d'autres valeurs. C'est l'idée qu'on se fait de notre présence sur cette terre que l'on transmet lorsqu'on souhaite, comme Etchegaray, aller dénicher le plus pauvre d'entre les pauvres et qu'on en fait le temps d'un article. C'est une philosophie de la vie que l'on transmet lorsqu'on met en avant des faits positifs, des gestes de solidarité, de la même manière que c'est une autre philosophie de la vie si on est défaitiste, si on est grognon, si on est râleur. Et c'est cette philosophie-là qu'on diffuse à travers nos articles, si on ne parle que des choses négatives. Et c'est une certaine conception de l'homme que l'on répand lorsqu'on endort les citoyens avec des faits divers, et que sous prétexte de ne pas ennuyer le téléspectateur et de faire de l'audimat, on évite de parler des questions de fond et que le journal télévisé en ait réduit au maximum la politique étrangère, ou on le réduit au minimum d'informations. Car l'information peut éveiller la conscience des citoyens, mais elle peut aussi, si on veut, concourir à l'endormir, à endormir les gens aussi, voire à l'abêtir. Tout ça, c'est une affaire de choix. Bon, il faut je laisse du temps pour qu'on puisse... Je voulais quand même vous dire deux ou trois choses sur la manière de transmettre. Bon, là, j'ai parlé du contenu jusqu'à présent de l'information, mais je terminerai sur la manière. La manière de donner une information n'est jamais neutre. Et la façon d'écrire, de parler, c'est aussi une manière de transmettre une certaine conception de l'homme et une certaine idée de la démocratie, de la vie politique et tout ça. Je trouve que l'on transmet une bien piètre image de la vie démocratique avec la tendance actuelle où on se contente de parler des pugilats entre les hommes politiques regardez, il a suffi que bon Ségolène dise deux ou trois conneries à Paris Match, ça y est, c'est devenu ça y est, et puis voilà, c'était Ségolène contre Valls, Ségolène contre Hollande, etc., etc. Et on traite toute la vie politique à travers ça, quoi. Mais c'est ridicule, quoi. Je pense qu'on prend un risque, nous journalistes, à focaliser sur l'anecdote de la vie politique, sur les maîtresses ou les femmes des hommes politiques. C'est sur leur politique dont on doit parler, quoi. Parce que lorsqu'on transmet une conception de la vie démocratique aussi réductrice que celle que j'évoque
trop rapidement, il ne faut pas s'étonner que les Français, qui sont lassés par ça, aillent chercher d'autres têtes, d'autres discours encore plus réducteurs. Et je ne vous fais pas de dessin. Et ce sont nous, les médias, qui, à force d'abaisser le niveau de la vie démocratique et du débat démocratique, avons fait le lit des discours les plus infantilisants. Et on voit bien sur l'Europe aujourd'hui, quoi. Alors que l'actualité peut être et devrait être le support pour une pédagogie politique qui passe par le doute, avoir un doute. Le journaliste doit avoir un doute, tout obligatoirement, pour ensuite réfléchir et puis apporter ça. Mais il faut, nous, on doit utiliser ce matériau de base qu'est l'actualité pour transmettre le goût de la réflexion, du vivre ensemble, du dépassement de son propre univers. Alors qu'on voit que l'actualité devient le prétexte à une exacerbation des passions, à une infantilisation des citoyens. Bon, je vais passer rapidement en disant qu'on a deux défauts, ou deux, on a plus que ça, mais je vais en citer deux. C'est d'une part la rapidité. On va trop vite. On va trop vite. Le monde va trop vite et les journalistes ne peuvent pas suivre. On a plus assez de temps pour vérifier nos informations. Et c'est très vrai aujourd'hui, c'est encore plus vrai quand vous êtes en reportage. Je vois, moi, pour sur des terrains de guerre et tout ça, où les consoeurs ou les confrères avaient leur faisceau horaire à telle heure. C'est 1 minute de faisceau horaire d'Afghanistan à Paris, c'est 10 000 euros. Si elle arrive en retard, donc ça y est, les 10 000 euros sont à l'eau. Elle a plus son faisceau pour pas transmettre l'information. Donc elle va vite, ou ils vont vite. Et on n'a pas assez de temps. Voilà. On est bousculé. Et je ne parle pas des chaînes d'information continue qui transmettent en permanence et tout ça. Donc, un, on va trop vite. Deux, on transmet parfois du vide. On transmet, et je pense aux chaînes d'information en continu qui font justement des directs où ils n'ont rien à dire. Et là, c'est la négation de la transmission. C'est la négation de notre mission de transmettre une information. Alors, on peut parfois me rétorquer que le fait qu'il ne se passe rien, bon, s'il y a une prise d'otage dans une maison, il ne se passe rien, c'est déjà une information, c'est qu'il ne se passe rien. Mais bon, on le dit une fois et puis on ne fait pas un direct, quoi. Bon. L'autre défaut, alors ça qui me semble essentiel, que je ne voulais pas ne pas vous l'évoquer avec vous, c'est le fait que maintenant, pour transmettre une information, il faut de l'émotion. C'est la conséquence du visuel qui a pris de plus en plus d'importance dans notre vie, dans la transmission de l'information, le visuel, la photo et tout ça. Mais maintenant, il faut mettre de l'émotion partout. Si on veut surprendre, il faut mettre de l'émotion. Un journal télévisé, c'est maintenant une suite d'émotions d'une minute trente. Et il faut émouvoir. Il faut émouvoir. Il faut surprendre. Je donne souvent l'exemple. Il y a quelques années, quand je sortais de l'école de journalisme, j'ai fait un stage dans une télévision. On m'a dit, non, non, il y a un accident, pas de sang. On mettait pas de sang. Bon, pas de sang. Ensuite, on a mis un peu de sang, parce que ça fait, ah, oui, du sang. Puis la flaque de sang, au fur et à mesure, elle a grandi. Et puis maintenant, on présente au journal de 20 heures. Alors bien sûr, le journaliste dit, attention, des images peuvent choquer. Alors vous voyez toutes les mamans prendre leurs marmots puis les emmener vite dans votre chambre et tout ça. Ils n'ont pas le temps. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens démembrés, on voit des gens qui n'ont plus de tête. Voilà. Donc le risque, c'est que en jouant sur l'émotion, pour retenir le téléspectateur, y compris par des titres, et la presse écrite n'y est pas, n'y échappe pas, hein. Mais je pense que c'est surtout télévisuel. En jouant sur l'émotion, les gens s'habituent à l'émotion. Donc il leur en faut toujours un peu plus. Et c'est une suite sans fin. Et moi, je suis très inquiet de ça, parce que ça veut dire que c'est au détriment de la réflexion, c'est au détriment de la raison. Et ça, je suis très inquiet qu'on n'ait pas, nous, journalistes, réfléchi plus tôt sur ce risque de l'émotion.
Bon, comment faire pour que je crois que bon, je voulais parler des réseaux sociaux, j'en parlerai en répondant à votre question, à vos questions. Je voulais simplement aller terminer par une histoire. Je disais que la spécificité du journaliste, c'est de s'interroger sur les conséquences de ce qu'il va publier. Alors, et je vous donnais l'histoire du suicide de cet élu à la suite. J'ai eu un débat. J'ai eu un débat. Rocard était Premier ministre. Bon, j'avais suivi Mitterrand pour l'Express, parce que c'était les 2 années que j'ai fait à l'Express en 88. Rocard nommé Premier ministre. Et Rocard, j'étais en bon terme avec lui, il me connaissait bien depuis longtemps et tout ça. Et la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, est votée par l'Assemblée nationale française, donc par la représentation nationale. Et Rocard, qui était marginalisé chaque fois qu'on voyait Mitterrand, il nous disait du mal de son Premier ministre. Rocard, même, il voulait quand même montrer qu'il servait à quelque chose. Et il téléphone à 4 journalistes, on était 4. Il nous dit, je vais, son attaché de presse, je vais, le Premier ministre va au Koweït demain, il y a une place pour toi si tu veux. Chose qui ne se refuse pas. Et on part dans l'avion de Michel Rocard. Et on est au Koweït. Bon, bien évidemment, on parle que de Mitterrand, où il nous a dit du mal de Mitterrand, dans l'avion. Bon, on arrive au Koweït, c'est quand même pour parler de la guerre du Golfe. Il rencontre un général. Bon, et le général reçoit le Premier ministre. Et le général voit des journalistes. Et il lui dit, Monsieur le Premier ministre, ce sera sans journaliste. Rocard dit, non, c'est des gens que je connais, ils font un papier sur moi, ils font pas un papier sur la guerre, etc. Bon, alors le général n'était pas très content, il prend Rocard à côté, et puis, bon. Et on entend, et on voit même sur une carte, que le général montre à Rocard où étaient les troupes françaises sur le front. C'est d'ailleurs, c'est elle qui prenait beaucoup de risques sur le front contre Saddam Hussein. D'ailleurs, on a vu où ils étaient. Bon. Deuxième chose, on entend le général dire, Monsieur le Premier ministre, on a un petit pépin en ce moment. Un des 2 avions AWACS, je ne sais pas si vous savez, vous vous souvenez ce que sont les avions AWACS, qu'on est un petit machin aileron au-dessus, là, qui, pour les communications, etc. À l'époque, la France n'en avait pas, c'était les 2 avions AWACS américains. Et le général dit à Rocard, un des 2 avions AWACS est en panne. Bon, est en panne. Bon. Et nous, on entend ça. On se dit, tiens, on a un scoop. On a un scoop. Et on se dit, est-ce qu'on va le donner? Bon, il se trouve qu'à l'époque, j'étais président de la presse présidentielle. On ne peut pas dire que j'avais une haute autorité, mais un petit peu, quoi. Les gens. J'ai demandé à mes confrères, j'ai dit, bon, on a entendu l'information, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la donne ou on ne la donne pas? Et moi, j'ai pensé que je ne devais pas la donner. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, il était clair qu'on ne venait pas là pour faire un papier sur la guerre du Golfe. Mais on avait quand même une information qui pouvait être utile. Bon. Mais, c'est ce que j'ai dit à mes confrères, j'ai peut-être eu tort, mais bon, je l'ai quand même dit et je vous le redis, la France était en guerre officiellement contre Saddam Hussein, la représentation nationale avait voté. Première chose. Dire que où étaient les Français? D'une part, qu'ils étaient plutôt à l'ouest du Koweït, etc., etc. C'était donner une information à celui qui était officiellement en guerre contre nous. Bon, c'est une chose. Mais un journaliste est indépendant. Il n'a pas à tenir compte de ça, éventuellement. Deuxièmement, dire qu'un avion AWACS était en panne, c'était peut-être aussi informer, parce que vous pensez bien que si on l'avait donné, l'information, tout de suite, l'Irak, on aurait tiré, je sais pas quoi, mais on irait tirer les conséquences. Donc, j'ai essayé de convaincre, et j'y suis arrivé, de convaincre les confrères de ne pas donner l'information. Et on ne l'a pas donné. On s'est mis d'accord, parce qu'on a dit,
On l'a dit tous, on ne l'a dit pas. On a deux patrons. Donc là, on a décidé de ne pas transmettre, puisqu'on est toujours dans la transmission. On avait une information, mais on ne l'a pas transmise parce qu'on a estimé que se faire plaisir par un scoop, pour un scoop, on était quatre à l'avoir, bon, ça valait pas la peine. Et on ne l'a pas donné. Et il y a 2 ans, j'étais en débat dans un amphi et 700 personnes avec un journaliste du journal Le Monde, très grand journaliste, celui qui a négocié avec Assange l'affaire Wikileaks et tout ça. Donc c'est un très grand journaliste, mais d'une jeune génération. Et je raconte ça. À un moment, je disais qu'on devait s'auto-censurer. Non pas, je le dirai tout à l'heure, non pas pour s'interdire de donner l'information, mais pour prendre le temps de le dire. Le journaliste du Monde m'interrompt, alors qu'on se tutoie comme dans toutes les professions, et il me dit, Monsieur, nous ne faisons pas le même métier. Il est bien évident que moi, j'aurais donné l'information. Applaudissements dans la salle. Il a eu les 700 jeunes étudiants de Sciences Po Toulouse pour lui. Et quand j'ai repris la parole, j'ai été sifflé copieusement. Bon. Et alors, je lui ai simplement dit comme défense, je lui ai dit, et ce sera la conclusion de notre soirée, parce que je veux que vous puissiez poser des questions, sinon M. Vechter m'enverrait de l'eau sur la figure, même s'il est bien poli. Et je lui ai dit à ce journaliste que moi, je gardais une phrase de son fondateur, Hubert Boeuf-Méry, fondateur du journal Le Monde, qui avait dit que tout peut être dit, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Voilà la phrase. Et ça, je la donne à tous mes élèves. Oui, on peut. Tout peut être dit. Il n'y a pas de raison que vous ne sachiez pas ce que je sais, y compris ce qu'on m'a dit en off. Mais pas n'importe quand. Il faut se donner peut-être du temps, ni n'importe comment. On prend les moyens de le dire. Et je pense que pour la transmission d'une information, c'est mon mot de conclusion, je veux dire, c'est qu'il faut parfois s'auto-censurer pour prendre le temps de la réflexion et y compris de peser le pour et le contre. Voilà, mais je vous remercie.